Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, n'ayant pas de charcuterie à la maison, je me suis dit pourquoi pas la faire. Je regardais un petit peu sur le net ce qui se faisait, je trouvais une bonne recette et je me suis dit je vais l'adapter au cookéo, ce sera un peu plus rapide que 1h40 de cuisson. Voilà, on dégraisse notre poulet, on coupe en morceaux, on dégraisse bien, on retire bien toute la graisse. Dans un blender, un mixeur ou au thermomix comme moi, je mets mon poulet à l'intérieur, du paprika, 2 grosses cuillères à café de sel, du poivre. On mixe le tout, voilà ce que ça donne. Avec un film alimentaire spécial cuisson, on met notre viande à l'intérieur et on crée une grosse ballotine. On s'aide avec les proximités du film alimentaire et on serre notre viande au maximum. Et on serre, on tourne et on serre notre viande. Voilà. Un autre film alimentaire, on met du paprika fumé dessus. Et je rajoutais aussi du thym. Je reprends, récupère ma viande et je la mets dessus. Et on referme le film alimentaire, on recrée un autre boudin, on resserre bien notre viande et on repart. Et on repart. On ferme, on fait un nœud à l'extrémité. Voilà, on serre comme il faut. On remet encore un autre film alimentaire, de l'aluminium. Et là, dans notre cookéo, on met l'équivalent de 300 ml d'eau, notre panier de cuisson. On met notre viande à l'intérieur. Et c'est parti pour une cuisson sous pression de 25 minutes. Au lieu de 1h40. Et voilà ce que ça donne. Faut laisser refroidir votre viande bien quelques heures avant de la couper. Et voilà, je peux faire mes croques, monsieur. Ma viande était super bonne, bien cuite, avec du goût et on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et mes croque-monsieur, on s'est régalé. Un petit peu d'émeltade dessus. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt. Bon appétit!